Good morning, allez Iden, l'étude sera aujourd'hui les Zchut Rivka Bat Martin Miriam ou Baala Yochai Netan El Ben Klala le Ben Zachar Zera Shel Kayama Bekarov Bezrat Hashem. Et nous étudions Baba Metzia Perek Bet Mishnah Hey Af Hasimla Aita Bichlal Kol Elle Lama Yatzat Leakish Elea Lomar Lach Masimla Meyuchedet Sheyesh Basimanim Veyesh La Tov'im Af Kol Davar Sheyesh Basimanim Veyesh La Tov'im Chayav Leachriz. Mishnah très intéressante. Cette fois-ci, il n'y a pas de cas concret, c'est plus pour nous apprendre un cas théorique. Cette Mishnah, c'est la source à partir de la Torah, d'où on apprend la fameuse règle du Yehush. D'abord, j'ai introduit, c'est quoi le Yehush? La Torah me dit de restituer l'objet qui appartient à mon voisin. Lorsque mon voisin perd quelque chose, je dois ramasser cet objet et le lui restituer. Si je ne sais pas à qui il est, je devrais le chercher et publier, et qu'il va venir, qu'il va le réclamer. Tout ça, c'est explicite dans la Torah. On a une règle qu'on traîne depuis le début du Pérec, la notion du Yehush. Lorsque le propriétaire se désespère de le retrouver, la Torah ne me demande plus de restituer l'objet, et de ce fait, il y aura ce qu'on appelle Yehush qui s'est désespéré, et j'aurai le droit de venir l'acquérir pour moi-même. Il s'avère donc que la mitzvah de Hashavat Aveda, restituer une perte, ne m'incombe que lorsque le propriétaire espère le retrouver. Mais dès que le propriétaire n'espère plus le retrouver, j'ai le droit de l'acquérir. Cette Mishnah va nous enseigner d'où on déduit cette règle, cette directive. La Torah me dit de restituer une perte. Pourquoi spécialement avant qu'il se désespère? D'où allons-nous l'apprendre? Et on va l'apprendre d'un mot supplémentaire écrit dans la Torah. La parasha de la Shavat Aveda se trouve dans parashat Kitetse Perek Chafbet 22. Au tout début du Perek 22, il y a marqué là-bas. Voilà, on y arrive, excusez-moi. Tu ne verras pas le taureau ou son mouton se perdre dans la rue. Ils s'écartent, ils sont en train de s'enfuir, de quitter la ville, sans leur propriétaire. Donc, quand tu le verras, tu ne verras pas en fermant les yeux. Donc, sois vigilant au fait que ton voisin est en train de perdre son argent. Et quoi? Hachev teshivem l'achicha. Va lui restituer son animal. Ensuite, un deuxième passage. On en parlera juste après, dans les prochaines Mishnayot. Et la Torah nous dit ensuite. Ce que je t'ai dit de faire là, tu le feras aussi avec son âne. C'est-à-dire, quand je t'avais dit, Shor, essaie le taureau et le mouton, sache aussi que tu dois faire la même chose avec son âne. Vechen ta'ase le simlato. Et tu feras la même chose aussi avec sa simla. Sa simla, ça peut être une robe ou ça peut être aussi une tunique. Donc, et tu feras aussi de même avec toutes sortes de pertes de ton prochain. Lorsque lui le perdra, et toi tu le trouveras, tu ne fermeras pas les yeux, mais donc au contraire, dépêche-toi d'aller le ramasser et d'aller lui restituer. Voilà pour le verset. Chaque deux mots de ce verset, de ce psukim, est bien sûr une source de halakhot que la Gemara déduit. Pour notre propos, on va simplement s'intéresser sur le fait que la Torah a insisté un petit peu lourdement dans cette liste d'exemples. On ne va pas non plus tous les traiter, mais uniquement le fait que la Torah, elle m'a dit « Tu feras la même chose à sa tunique ». Tu m'as déjà donné l'exemple du taureau et du mouton, et tu as même évoqué aussi l'âne. Et puis ensuite, tu me dis, tu sais, tu feras aussi la même chose avec sa tunique. Et tu feras la même chose avec l'école Aveda Tachicha, avec toutes sortes de trouvailles. Alors, j'ai pas compris. Si à la fin, tu finis par me dire, tu feras avec toutes les trouvailles, pourquoi tu as eu besoin de me répéter la simla? Pour les trois sortes d'animaux, on va pas en parler. Il y a un limoud dans la Gemara. On déduit pourquoi il a fallu donner toujours ces trois types d'animaux. C'est pas notre propos. Notre propos, il est juste que malgré tout, m'avoir répété le mot simla, alors que tu m'avais déjà donné des exemples bien clairs,
c'était en trop de me répéter le mot simla, la tunique. Tu dois rembourser la tunique, puisque juste après tu me dis, et tu feras la même chose avec toutes sortes de trouvailles, toutes sortes de pertes de ton prochain que tu devras le lui rendre. Pourquoi avoir répété ce mot simla? Et la réponse que la Mishnah va nous donner, je préfère le faire à l'oral avant de le faire dans les mots cette fois-ci, parce qu'il y a une petite finesse, il vaut mieux l'expliquer plus clairement. Tous les cas évoqués par la Torah jusque-là étaient des cas de, d'animal, donc naturel, qui naissent naturellement. Il n'y a pas ici le mif'al adam, l'action de l'homme, la création de l'homme. C'est des choses qui sont créées naturellement. Et de ce fait, il est possible qu'il n'y ait pas en eux de signe distinctif. La Torah est venue me rajouter le mot simla parce que... Alors là, on touche à... D'abord, je fais une petite pause pour vous introduire une notion un petit peu générale quand vous étudiez la Mishnah, de la Gemara surtout. C'est, lorsque Chachamim nous font des drachot, lorsqu'on ajoute un mot supplémentaire, ouais, alors Chachamim vont déduire de ce mot, pas le cas spécifique évoqué, mais ils vont avoir un regard plus général de déduire selon les caractéristiques, selon les caractéristiques profondes des choses. Et c'est délicat, ça frôle la philosophie en fait. Pourquoi définir que tel mot, notion, véhicule en réalité une notion plus profonde qui va inclure d'autres cas? Mais concrètement en tout cas, le mot simla qui vient inclure la tunique n'inclut pas que la tunique, mais il inclut en fait tout ce qui ressemble à une tunique. C'est-à-dire, la tunique c'est une confection des mains de l'homme, à la différence de tous les autres animaux, que c'est pas la confection de l'homme. Or, dès qu'un homme confectionne quelque chose, il laisse son empreinte dans les choses, il a sa manière de faire, donc forcément, il y aura un signe distinctif. Du fait, la Torah est en fait expressément venue me dire, tu ne rendras une trouvaille que lorsqu'elle a un signe distinctif. La Torah m'a ajouté ce mot simla pour m'apprendre que tu ne rendras les trouvailles que lorsqu'ils auront ce signe distinctif. Un signe distinctif. Le mot simla vient apprendre sur tous les autres mots, sur toute la série, en fait, sur toutes les autres trouvailles, que tu ne rends que s'il y a un siman, ce qu'on appelle un siman. Du fait que la Torah m'a dit qu'il n'y a la mitzvah de Shabbat Aveda que lorsqu'il y a un siman, alors cette fois-ci, on n'est pas restreint, on est large, on réfléchit deux minutes. Qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi je devrais rendre que lorsqu'il y a un siman? Et alors là, on comprend naturellement. La Torah me dit, rends quand il y a un siman, parce que le propriétaire espère le retrouver. Et de là, on déduit que si le propriétaire n'espère plus le retrouver, alors tu pourras acquérir cet objet. Donc, un objet qui n'a plus de signe, qui n'a pas de signe distinctif, lorsque le propriétaire le perd, tu pourras l'acquérir. Pourquoi? Parce qu'il n'espère plus venir le chercher. Et c'est ce que la Mishnah va nous appeler. Puisqu'il y a un siman, alors il y a des gens qui vont le réclamer. Et de là, en fait, on va voir... On va déduire d'autres cas, mais d'abord on va le faire dans les mots, et puis ensuite je déduirai encore d'autres cas, où finalement, dès qu'on sera certain que le propriétaire ne le réclamera plus, on pourra l'acquérir même s'il y aura un siman en fait. Donc on fait ça d'abord dans les mots. Af asimla aita bichlal kol ele. Même la tunique, le mot simla, la tunique évoquée par la Torah. Haïta bichlal kol ele. Elle l'était déjà inclue dans la règle générale explicitée par la Torah, que quand il y a marqué l'école avedat achicha, tu feras pour toute la avedat achicha. On incluait déjà une simla. Si la Torah n'avait pas le dit le mot simla supplémentaire, j'aurais de toute façon déduit que je fais la shavat aveda, je dois restituer une perte, même pour une tunique. Puisque dans les règles de lecture de la Torah, il y a le fait que tu m'as répété le mot l'école avedat achicha vient m'inclure d'autres. Cas, tout type de cas en réalité de trouvailles que tu devras le restituer. Donc on est plus restreint au cas expressément évoqué, le taureau, le mouton ou l'âne. On devient large. Donc pourquoi tu m'as répété le mot simla? Lama yatsat. Pourquoi la Torah a eu besoin de le répéter et de ressortir encore une fois du klal? On ne va pas rentrer dans la signification de chaque mot, mais en tout cas pourquoi elle a fallu le répéter de nouveau? Les hakish et les a. Pour que tu juxtaposes à elle. L'omar lach, pour que tu déduis, ma simla meyuchedet sheyesh basimanim veyesh latovim, au même titre qu'une simla, une tunique, et quelque chose de spécifique, qu'il y a en elle sheyesh basimanim, qu'il y a en elle des signes distinctifs, veyesh latovim, et il y a donc des gens qui vont venir la réclamer. Af kol davar sheyesh bosimanim,
Veyesh lotovim. Idem pour tout objet où il y a des simanim, des signes distinctifs. Veyesh lotovim. Et de ce fait, il y aura forcément quelqu'un qui va venir le réclamer. Chayav leachriz, que tu devras le publier, à exclure donc d'abord le cas primaire, l'objet qui n'a pas de signe distinctif, que dans ce cas-là, tu pourras l'acquérir pour toi, parce que forcément le propriétaire, tu sais que le propriétaire ne va plus venir le réclamer, et donc il t'appartiendra, puisqu'il a fait donc de là on déduit la fameuse règle du yéhouch. On déduit aussi de là un autre cas classique, le cas où l'objet a, oui, un signe distinctif, mais pour différentes raisons, le propriétaire ne va plus le réclamer. Premièrement, parce qu'on l'a entendu dire qu'il ne viendra plus le réclamer. Il a dit « Vaïlel chissarankis »« Oh, malheur à moi que j'ai perdu cette perte d'argent !»« Vaïlel chissarankis »« Malheur à elle plutôt, à la perte, à l'objet que je l'ai perdu !» Donc maintenant il s'est découragé. C'est une manière de dire « Ah, c'est fini, c'est mort !» Premier cas de figure. Deuxième cas de figure encore, c'était le cas qu'on évoquait dans les Mishnayot précédentes. Lorsqu'on perd quelque chose sur la voie publique ou dans un endroit où il y a des goïms qui ne vont de toute façon, où il est fort probable que ça va être un goï qui va le ramasser et qui ne va pas ensuite se soucier de restituer la perte. De ce fait, dès que je perds l'objet, je n'espère plus le récupérer. Donc je suis mitièche, même si c'est un signe distinctif. D'accord ? Parce qu'en fait, tout est axé pour nous dire, si tu supposes qu'il va y avoir des gens qui vont venir le réclamer, restitue. Si tu supposes que plus personne, si tu comprends, tu déduis que plus personne va venir le réclamer, alors tu pourras l'acquérir pour toi-même. Il n'y a plus de misère de Hashem et Taveda, donc ça t'appartient. Voilà pour la Mishnah. On fait maintenant rapidement le Bartenora Bezrat Hashem. Bichlal kol ele. On avait vu que la Mishnah nous dit la simla, elle était bichlal kol ele, bichlal kol avedat achicha. Elle était inclue dans l'expression de la suite du pasuk kol avedat achicha. Tu feras ainsi pour toute perte de ton prochain. Pourquoi la Torah a besoin de m'expliciter, de me sortir du klal, de la règle générale, encore de m'expliciter un cas supplémentaire en me disant tu feras ainsi pour la tunique de ton prochain. Ma simla meyuchedet, de la même manière qu'une simla, une tunique, c'est quelque chose de spécifique. Stam simla yesh ba siman, dans tout simla, toute tunique confectionnée par un homme, il y a forcément siman. Vekol simla yesh la be'alim tovim ota. Et toute tunique, il y a donc des propriétaires qui vont venir la réclamer. Shana asid bide adam, velo bat mina efker, qu'elle a forcément été faite par un être humain et qu'elle n'est pas venue du efker. On se contentera de ce qu'on a expliqué. Il y a de quoi un peu plus préciser davantage les expressions du Bartenora, mais je pense que ça va trop alourdir sinon. Av kol sheyesh lo tovim, idem pour tout objet qu'il y aura des gens qui vont venir le réclamer, les maouté midi de meyesh, déduit de là, exclut de là un objet sur lequel le propriétaire se désespère le retrouver, où il fait le yéhouch. Ve yéhouch, vous. Et c'est quoi se désespérer? Des shamine de amar vaile le chisaron kis. C'est qu'on l'a entendu expressément dire vaile le chisaron kis. Malheur à cette perte d'argent, kaparat avonot, en bon terme. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha. Rendez-vous demain. Kol tu sera.